Voici notre thème bien-aimé de ce matin. Élargis l'espace de ta tente. Amen, amen. Élargis l'espace de ta tente. Vous savez, là, ce n'est pas une proposition que l'on nous fait, ni une exclamation tout simplement. Surtout pas, bien-aimé, une interrogation ou une supplication, mais une recommandation. Élargis l'espace de ta tente, un ordre, un impératif. Élargis l'espace de ta tente. Là, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser sur Israël, qui était appelé à s'agrandir, à s'épanouir encore davantage. Il est démontré, bien-aimé, qu'année après année, la population d'Israël grandit davantage. 1 Corinthiens 10, verset 11 et Romains 15, verset 4, nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça pouvait concerner Israël, bien-aimé, ça continue à concerner Israël. Mais crois-moi, ça te concerne individuellement également. Ça concerne ta famille, ça concerne également l'Église. Et nous disons Amen. Dis à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. C'est donc une recommandation. Élargis, mon frère. Élargis, ma sœur. Élargis, Église du Seigneur, l'espace de ta tente. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'élargissement. C'est le Dieu du progrès. C'est le Dieu qui nous veut aller de l'avant. C'est le Dieu de la percée. C'est le Dieu de la montée. N'est-ce pas que votre thème de cette année, c'est la montée divine. Amen, amen. C'est la montée divine. Comme pour dire que Dieu te veut, toi et moi, chacun d'entre nous, chaque famille. Et cette église montée encore très haut. Et nous disons Amen. C'est la volonté de Dieu. Et avec Dieu, il faut aspirer à aller toujours de l'avant. Et croyez-moi, je ne serai jamais satisfait totalement tant que je suis dans ce corps de chair. Vous apprendrez tout ce que vous apprendrez sur la parole du salut. Vous apprendrez tout ce qu'on va continuer à réaliser, bien-aimé. Mais ma détermination, c'est de ne jamais stagner. Et stagner avec Dieu, c'est reculer. Qu'on pourrait dire qu'avec Dieu, ce qui est devant nous est meilleur par rapport à ce qui est passé. Et nous disons Amen. Trois choses à retenir concernant l'élargissement. Premièrement, l'élargissement veut dire qu'il existe au préalable déjà quelque chose. Amen. C'est pour dire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tu as l'opportunité aujourd'hui de donner ta vie à Dieu. Parce qu'on commence lorsqu'on a donné sa vie à Dieu. C'est quand on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur qu'on devient enfant de Dieu. Et qu'on est appelé maintenant à s'élargir dans la marche avec Dieu. On est appelé à réaliser de grandes choses avec Dieu. Comprenez donc que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui sont dans cette salle, pour vous c'est une interpellation, ce message pour dire « Je dois donner ma vie au Seigneur » afin d'aspirer plus grand et meilleur avec ce Dieu. Nous disons Amen. Le verset 2b nous dit ceci, « Ne retiens pas, allonge tes cordages. » Nous connaissons tous, bien-aimés, une tente. J'ai eu la grâce de pouvoir, à l'école biblique, monter une tente. Pratiquement, chaque fois qu'il y avait des vacances, on se nourrissait dans une tente qu'on montait dans le parking de l'église et qui avait la grandeur qui vaut presque cette salle de culte ici. Il y a des poteaux qu'on devait mettre en place. Il y a des câbles qu'on devait amener jusqu'au pieu et qu'on utilisait pour tirer davantage la tente pour que tout soit bien dressé afin qu'il n'y ait pas des eaux qui vont stagner et qui peuvent risquer de faire écouler la tente en question. Donc lorsqu'on parle de tente, bien-aimé, j'en sais quelque chose. J'ai été scout également. Et dans les années 70, on s'habituait à monter des tentes. On n'est rien de temps. Selon les dispositions bien prévues, on pouvait monter des tentes. Donc comprenez que ces choses, quelque part, lorsqu'on les prêche, on réalise également comment ça se passe. Si tu n'as jamais vu une tente ou monté une tente, ça peut être un peu difficile, mais que le Saint-Esprit t'aide à saisir ce que nous allons dire ici. Amen.
ne retiens pas. Verset 2b. Allonge tes cordages. Parce que, bien aimé, on ne peut élargir l'espace de l'attente sans allonger le cordage. On ne peut élargir que ce qui existe déjà. Amen. L'élargissement ne concerne pas ce qui n'est pas. Au point où tu es, Dieu te veut aller plus loin. Dans ta marche avec le Seigneur, Dieu te veut progresser encore. Tu as travaillé pour Dieu, Dieu te veut travailler encore plus et même mieux. Vois encore plus grand avec Dieu. Fais encore plus pour Dieu. Reçois davantage de la part de Dieu. Et apprends également à libérer davantage, bien-aimé, pour ce Dieu-là. Dépasse le niveau que tu as atteint. Vous savez, lorsqu'on accepte Jésus, qu'on le veuille ou pas, le meilleur jauge, bien-aimé, d'une personne, c'est la personne elle-même ainsi que le Saint-Esprit. Je ne peux pas arriver à te jauger comme il faut savoir où est-ce que tu en es exactement. On peut avoir une certaine perception par ta façon de marcher avec Dieu. Mais tu sais te jauger toi-même et savoir où est-ce que tu en es. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, es-tu en train de régresser ou tu es en train d'aller de l'avant? Marches-tu de l'avant ou tu marches à reculons? Où est-ce que tu en es depuis que tu marches avec le Seigneur? Si on n'avance pas avec Dieu, c'est qu'on est en train de reculer. Et Dieu n'a que faire avec ceux qui veulent reculer. Ils sont pratiquement comme la femme de Lot qui a voulu regarder en arrière. Alors qu'il ne fallait pas le faire, que Sodome et Gomorrhe étaient en train de brûler. Il a regardé en arrière, bien-aimé. Elle était consumée par le soufre et le feu, devenue comme une statue. Ne sois pas comme une statue, bien-aimée, dans la maison de Dieu. Dieu te veut aller de l'avant, dépasser tes limites, aller de l'avant, devenir encore meilleur, réaliser plus que ce que tu as déjà réalisé. Il faut que le progrès de chacun puisse être évident et évident pour tous. Pas seulement tes propres yeux, mais évident pour tous. C'est la vérité que ceux qui te voient marcher avec le Seigneur peuvent arriver à avoir une certaine perception si tu es en train d'avancer ou pas. Et cela se voit d'abord par la fidélité à l'église. Je dis toujours ceci, lorsqu'on s'habitue à être tout simplement un dimanchard à l'église et que la semaine, on n'est jamais là, on se contente de venir seulement le dimanche. Et pourtant, j'estime qu'il n'y a que 2, 3 à 5% des membres de l'église qui peuvent prétendre ne pas avoir le temps de venir pendant la semaine. Ils sont très minimes, ce genre de personnes bien-aimées. Mais où va le peuple de Dieu? J'étais là ce vendredi. Il n'y a que la partie centrale ici qui était remplie. Mais tous les autres, est-ce qu'ils étaient? Je sais qu'ici en Europe, on travaille beaucoup. Et des fois, ça peut être difficile de quitter sa contrée pour venir jusqu'ici. Je sais que certains sont dans la cellule. Je comprends bien. Mais toi qui t'habitues à pouvoir t'absenter, comment vas-tu progresser avec le Seigneur? Comment vas-tu t'affermir davantage dans le Seigneur? Comment vas-tu atteindre, acquérir la maturité requise pour le nombre d'années que tu as dans le Seigneur? Vous savez, selon le nombre d'années que l'on a dans le Seigneur, on doit avoir acquis une certaine maturité. Un manguier qui n'a que 5 ans, bien-aimé, on sait quel genre de fruits ça peut donner. Et manguer qu'il n'a que 6 mois, on se dira que non, c'est impossible, on ne peut pas voir encore des fruits comme il faut. Et après 15 ans, si le manguer ne donne pas de fruits, c'est que le manguer est malade. Là où nous avons construit le temple du salut, il y avait un manguier qui était malade. Généralement, ses feuilles étaient tachetées de tout un tas de taches blanches avec des petites bêtes qui étaient blanches également. Le tronc était totalement malade. Ça donnait des fruits qui étaient moitié bons, moitié pourris. Avec des petites bêtes qui étaient là-dedans. On a failli faire un traitement dur, mettre de la chaux sur le tronc à une bonne hauteur, jusqu'à environ 2 mètres. Enlever les vieilles terres qu'il y avait là-bas, commencer à mettre du fumier.
Faire un travail de choc pour que par après, ce manguier commence à nous donner des très bonnes mangues. Mais si ce manguier bien-aimé était bien traité depuis longtemps, est-ce que ça pouvait arriver à ces dimensions où les fruits étaient moitié bons, moitié mauvais? Quel genre de fruits? Inconsommables. Et lorsqu'on a des années dans le Seigneur, on n'évolue pas, on ne progresse pas. Quel genre de fruits tu vas produire? Sois-tu gagné les âmes au Seigneur? Le Seigneur te dit, allonge tes cordages, élargis l'espace de ta tente, cherche à devenir meilleur, quitte la médiocrité spirituelle, quitte la superficialité spirituelle, avance encore avec le Seigneur. Il a de si grandes choses, de bonnes choses pour toi. Comment tu peux te contenter de si peu spirituellement? Comment tu peux te contenter de si peu en termes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières et autres? Comment peux-tu accepter de stagner, bien-aimé? Même dans les entreprises, lorsqu'on y travaille, on aspire à plus. On veut devenir chef d'équipe. On veut devenir un moment chef d'atelier. On veut devenir chef de service. On veut devenir sous-directeur. On aspire à devenir directeur. On aspire à devenir DGA. Et plus tard, PDG, pourquoi pas ministre? Nous avons connu un homme comme ça, bien aimé, dans notre pays. Un homme qui a commencé par être ouvrier, jusqu'à devenir ministre de l'énergie après plus de 30 ou 40 ans de service. Un homme qui aimait aller de l'avant, qui aspirait au progrès. Mon frère, ma soeur, aspire au progrès. Cherche à aller de l'avant avec le Seigneur. Cherche à vivre plus avec le Seigneur. Cherche à percer encore avec le Seigneur. Monte encore avec le Seigneur. Et d'une montée divine, non pas d'une montée humaine. Une montée divine donc qui vient de la vie de prière, du temps que tu passes dans la présence avec Dieu. Car c'est là qui nous inspire, c'est là qui nous parle, c'est là qui nous émonde, c'est là qui nous sonde, c'est là qui nous brise, c'est là qui nous équipe davantage, c'est là qui nous donne un zèle pour aller de l'avant. C'est là qui nous transforme de gloire en gloire, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Désirons cela plus avec Dieu, plus pour notre Dieu, plus de la part de Dieu. Amen. Ne sois jamais dans un contentement passif. Il y en a qui aiment être dans un contentement passif. Je me contente de ce peu que j'ai eu avec Dieu. Je me contente de cette vie. Je ne commets pas le péché. Je ne cours pas derrière les femmes d'autrui. Je ne vole pas, je ne mens pas. Je ne fais pas ci, je ne fais pas cela. Je ne veux pas de problème. De toute façon, si je vais le dimanche à l'église et que je ne commets pas de péché pendant la semaine, eh bien, je sais que Dieu m'accepte. Vous risquez d'être comme de ceux-là qui sont sauvés de justesse comme au travers du feu. Et pourtant, nous sommes sauvés, bien-aimés, pour servir. Et lorsque nous servons Dieu, en commençant par le salut des âmes, il y a des couronnes qui nous attendent au ciel, bien-aimés. Les positions dans le ciel seront différentes. Les couronnes seront différentes également. Ne sois pas de ceux-là qui ont juste une petite couronne là au ciel. Certes, la jalousie n'y sera pas, l'envie n'y sera pas. Mais pourquoi désirer si peu? Exerce-toi la piété, dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Et là, les promesses de la vie présente et de la vie à venir également, c'est l'avenir quoi? Non seulement il y a cet avenir merveilleux au ciel qui nous est réservé, avec tout un tas de couronnes et de récompenses que nous aurons bien aimés, mais également ici-bas, Dieu nous visitera, Dieu nous bénira, Dieu nous amènera de l'avant, Dieu nous distinguera, nous influencerons, nous amènerons beaucoup d'âmes au Seigneur. Exerce-toi la piété, dit la parole de Dieu. Et ne pas stagner dans sa marche avec Dieu. Philippiens 3, versets 12 à 14, nous dit ceci. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. C'est Paul qui est en train de le dire aux Philippiens. Pendant que lui-même il est en prison à Rome, bien-aimé. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Tout en étant en prison, en train de courir,
tout en étant en prison, en train de parler du Seigneur, tout en étant en prison, en train d'exhorter les églises, tout en étant dans la prison, bien-aimé, il veille sur sa marche, personne ne pouvait entrer là où Paul se trouvait, en prison sorti tel qu'il est entré. Paul saisissait toute opportunité pour parler du Seigneur où qu'il était, jusque dans sa prison. Nous savons très bien comment est-ce que dans Actes chapitre 24, si ma mémoire est bonne, il s'est retrouvé devant Agrippa, qui va lui dire, mais enfin Paul, oh ta grande connaissance te pousse à déraisonner. Maintenant tu vas risquer de me pousser à devenir également chrétien comme toi. Paul lui dira, excellent Agrippa, plaise à Dieu que non seulement toi, mais ceux qui sont avec toi puissent être comme moi, à l'exception de mes chaînes. Il n'avait pas peur de témoigner où qu'il était. Il recherchait à gagner les âmes tous les jours de sa vie. N'est-ce pas cela que Dieu nous appelle bien-aimés? Élargir l'espace de nos tentes, c'est apprendre à porter la parole de Dieu partout où nous sommes. Parler à nos supérieurs, les inviter bien-aimés à venir écouter la parole de Dieu. Parler à ceux qui sont dans nos familles, parler à ceux nos subalternes bien-aimés. Là on travaille, apprendre à parler à nos enfants, à nos maris qui ne connaissent pas le Seigneur, aux épouses qui ne connaissent pas le Seigneur, aux cousins, aux cousines, aux oncles, aux tantes, et pourquoi pas même aux grands-parents s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Quelquefois, on minimise, on se dit, bon, écoutez, eux, ils ont eu leur temps de croire, l'ancien qu'ils croient, ce n'est pas grave. De toute façon, il est vieux, il ne va pas comprendre. Il est vieux, oui, mais on n'entrera pas au ciel parce qu'on est vieux. On n'entrera pas au ciel, bien-aimé, parce qu'on était habitué dans une certaine religion. On n'entrera au ciel parce qu'on s'est repenti de ses péchés et qu'on a accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Amen, amen. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Verset 13 de Philippiens 3. Frère, je ne pense pas à l'avoir saisi, mais je fais une chose. Et ça j'aime bien. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est à l'avant, je cours vers le but. Il y a un but, bien-aimé, pour lequel Paul est en train de courir. Il s'impose tout un tas d'abstinence afin d'atteindre, bien-aimé, le prix de la course. Il ne court pas pour une couronne corruptible comme ceux qui sont dans les stades, mais pour une couronne incorruptible qui lui sera remise là au ciel un jour, bien-aimé. Il oublie ce qui est en arrière, il tend vers ce qui est en avant. J'aime bien le participe présent qui est utilisé ici, oubliant. On dirait en anglais, le present continuous, oubliant ce qui est en arrière. Donc continuellement, oublier ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Donc continuellement, en train de se porter vers ce qui est en avant. Je cours. Il ne marchait pas tout simplement. Il dit, je cours. Amen, amen. Il prend de vol comme l'aigle pour porter le prix de la vocation céleste. Oubliez. Chaque jour, oubliez. Oubliez le négatif, mon frère, ma sœur. Parce que le négatif cherchera à pouvoir nous décourager, nous abattre dans la foi. Oubliez les difficultés de la vie. Oubliez les expériences négatives. Oubliez les déceptions de cet homme qui t'a abandonné. Oubliez les déceptions de ce fiancé qui t'a abandonné. Oubliez les déceptions de cet homme de Dieu qui t'a roulé. Oubliez ces choses-là, bien-aimé, et dire ce qui est devant moi est meilleur par rapport à ce qui est présent et ce qui est passé. Oubliez également le positif. Parce que quelquefois, on peut risquer d'être des chrétiens nostalgique lorsque nous étions, lorsque nous prêchions, lorsque nous témoignions, oh, lorsqu'on imposait les mains sur les malades, lorsque nous jeûnions. Oubliez le positif, oubliez le négatif, se porter vers ce qui est en avant.
Même si de l'avant, c'est qu'il y aura des combats également, mais se porter vers ce qui est en avant. Quel est ce coureur que tu as vu en train de courir tout en regardant en arrière? Le simple fait de tourner un tout petit peu la tête en arrière, tout simplement, lui fait perdre quelques secondes. Et dans ces secondes, c'est quelques mètres qu'il a perdu. Le coureur, qu'est-ce qu'il fait? Il court. À peine il peut jeter un coup d'œil à gauche, à peine un coup d'œil à droite, mais il continue à courir de l'avant. Le plus important est qu'il termine la course. Et encore plus qu'il gagne la course. Il ne court pas dégagé de l'énergie pour rien. Il ne court pas, bien aimé, juste pour le plaisir de remplir, être un figurant dans une course. Non. Quand je faisais le football autrefois, mon but était que nous devons gagner. Nous devons gagner. Et par la grâce de Dieu, j'ai marqué les buts. Alléluia. On m'appelait Persévérance Moulende dans notre langue au pays. Parce que perdre pour moi, c'était fatal. Je n'aimais pas. Et jusqu'aujourd'hui, je n'aime pas perdre. Amen, amen. Je n'aime pas perdre. J'aime le succès, j'aime la réussite, j'aime la percée. J'aime aller de l'avant. J'aime des réalisations et d'autres réalisations. Et je n'en finirai pas tant que Dieu ne va pas me répondre, bien-aimé. Je n'arrêterai pas, j'aspirerai, je désirerai. Pourquoi? Parce que notre Dieu est comme ça, il est persévérant, nous sommes appelés à être persévérants. Tel il est, tel nous sommes appelés à être également. Et nous disons amen. Oubliez le positif, oubliez le négatif, se porter vers ce qu'il y a en avant, quelle que soit l'adversité. Quels que soient les bateaux dans les roues, ne te laisse pas arrêter, bien-aimé, dans ta marche avec Dieu. Jean 16, 33 nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage car j'ai vaincu ce monde. 2 Timothée 3, verset 12 nous dit que ceux qui veulent marcher pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà au moins des promesses qu'on n'aime pas toujours relever. On aime voir les promesses, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras distingué. Mais la même Bible dit également que vous aurez des tribulations, c'est une prophétie. Dis à ton voisin, amen. Je saisis cela. Et que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. As-tu vu un homme de Dieu qui n'a pas été persécuté? As-tu vu quelqu'un réussir dans la vie sans être persécuté? As-tu vu quelqu'un percer dans la vie sans être persécuté? La persécution, ce n'est pas seulement comme Étienne, on te lapide et tu meurs. Ça peut être des calomnies, ça peut être des médisances, ça peut être des colportages de choses qui sont fausses sur toi. Ça peut être des bateaux dans les roues, des falsifications des virus commis dans ton ordinateur. Ça peut être des critiques destructives, non pas des critiques constructives. Ce sont des persécutions physiques. Ça peut être, bien aimé, également ta voiture où on a eu à pouvoir trouver un pneu et tu ne sais pas aller au culte. Ça ne se fait pas ici, hein, mais c'est chez nous ça se fait. Là, j'ai eu un pasteur, il roule avec sa voiture et puis le pneu qui saute. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit on n'a pas bien serré, ou bien on a desserré le boulon pour dire, voilà, bon, au moins, hein, il aura du retard, il ne va pas arriver là où il va, un accident va lui arriver. Les persécutions, on en connaîtra dans toutes les formes possibles. L'essentiel, c'est de se dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein? Et quels que soient les combats, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Qu'on nous fasse la guerre, on ne nous vaincra pas, toute arme forgée contre nous sera sans effet au nom de Jésus et nous disons amen. Sers plus, sers mieux. Témoigne plus, témoigne mieux. Sois missionnaire partout, le Seigneur te met, bien-aimé. Bâtis le temple du Seigneur, transforme ce bâtiment, bien-aimé, apporte ta pierre d'édification afin que cet endroit soit élargi et soit encore meilleur. Je sais qu'on est dans ce projet-là. Amen, amen. Dis à ton voisin, implique-toi dans cette affaire te concerne.
Et moi aussi, je veux m'impliquer parce que j'aime être béni. Je sais que quand je contribue, je suis béni. Amen, amen. Et laisse-moi vous dire ceci. Si dans cette affaire, ceux de l'extérieur contribuent plus, c'est vous qui allez manquer d'être béni. J'avais dit à Kinshasa que je ne demanderai rien à l'extérieur. Si quelqu'un à l'extérieur veut nous bénir, il va nous bénir, on dira amen. Je veux que vous soyez bénis. Alors cette affaire vous concerne. Et je vois le peuple de Dieu être béni, bien-aimé. Alors qu'on avait commencé cette affaire avec 10% seulement du montant. Après 7 ans, on a eu à pouvoir totaliser tout ce qu'il faut et les travaux sont en train de se terminer totalement cette année, alors qu'on a eu à dédicacer en 2017. Amen, amen. Cette affaire te concerne. Une opportunité pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Une opportunité pour être davantage béni. Une opportunité pour expérimenter la main de Dieu qui est toujours étendue pour ceux-là qui savent contribuer à son œuvre. Et nous disons amen. Qu'il y ait croissance quantitative, qu'il y ait croissance qualitative également. Allonge tes cordages. Dis encore à ton voisin, allonge tes cordages. Deuxième chose à retenir, tout élargissement implique l'affermissement. Comme j'ai dit, il y a des cordages, il y a des pieux également. Le verset de C nous dit, affermis tes pieux. Les pieux, ce sont ces genres de bouts de métal sur lesquels on attache les cordes après avoir tendu. Si les pieux ne sont pas bien affermis, les pieux peuvent se casser. Généralement, les pieux sont en acier ou sont en bois dur et très très dur. On ne peut pas le faire en bois de coffrage. Sinon, ça casse et c'est la tente qui ne va pas tenir à un certain moment. Affermis tes pieux, verset de C. Plus on avance avec Dieu, plus on doit s'affermir dans le Seigneur. Amen. Un adage même du monde dit ceci, celui qui veut aller très loin, ménage sa monture. Amen, amen. Affermis les pieux de la connaissance de la parole de Dieu. Mais dites encore la parole de Dieu. Lis encore la parole de Dieu, pas comme un roman. Pas comme un journal. Cherche à comprendre la parole de Dieu. Et surtout, vis la parole de Dieu. Proclame cette parole. Assimile cette parole. Ne sois pas un simple lecteur de la Bible, mais quelqu'un qui médite en profondeur la parole de Dieu et qui la met en pratique. Affermis les pieux donc de la connaissance de la parole de Dieu. Ne sois pas comme un bébé qui s'attend toujours à ce qu'on lui donne du lait spirituel. Mais apprends, bien-aimé, à manger les beefsteaks spirituels. La parole dure qui t'interpelle et qui t'amène au changement de mentalité, à la transformation de ta propre vie. Car ce n'est que lorsque ta vie est transformée qu'on va croire en toi dans ce Jésus que tu proclames. C'est facile de dire « je suis chrétien, je suis chrétien ». Mais savez-vous que chrétien venu christianiste, celui qui est comme Christ, qui parle comme Christ, agit comme Christ, se comporte comme Christ, réfléchit comme Christ, fait tout comme Christ. Cela veut dire apprendre à bénir même celui qui te persécute. Apprendre à faire du bien à celui qui t'a fait du mal. C'est ça la maturité chrétienne, c'est ça Jésus qui à la croix de Golgotha a eu à pouvoir même pardonner un de ces brigands qui était là, qui lui a dit « souviens-toi de moi », il lui a dit « aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus qui a sauvé les âmes jusque là au bois maudit de la croix, en train de mourir, bien-aimé, mais en train de sauver les perdus. Il pouvait bien réagir humainement et dire, mais tu t'es moqué de moi, tu verras, tu iras en enfer. Il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Affermis tes pieux, bien-aimé, de la connaissance de la parole de Dieu. Affermis également les pieux de la prière. Ne demeure pas ce chrétien, bien-aimé, qui fait des prières flash. Des prières éclairs, des prières comme une étoile filante. Tu dois apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. Adorer le Seigneur. Pas être ce chrétien prêt à tout simplement demander à Dieu. Mais un adorateur, Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. L'adoration, c'est la clé de tout si on veut aller loin avec le Seigneur. Si tu n'es pas adorateur, tu n'iras pas loin. Alors plusieurs doivent arrêter de venir dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, lève-moi, Seigneur, distingue-moi. Seigneur, fais ça pour moi, fais encore ça pour moi. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il est notre Père.
Il veut notre adoration. Il mérite notre adoration. Plus nous adorons, plus il descend au milieu de nous. Parce qu'il est celui qui siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Sois un adorateur, mon frère, ma soeur. Et non pas quémander dans la présence de Dieu. Parce que généralement, plusieurs viennent prier pour que Dieu puisse faire, pour que Dieu puisse bénir, pour que Dieu puisse nous visiter. Non, nous venons d'abord pour l'adorer pour ce qu'il est, pour l'adorer pour ce qu'il fait, pour l'adorer parce que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains, pour l'adorer parce que l'univers entier est dans ses mains, nous disons Amen. Et il aime l'adoration. Si déjà les êtres humains, quand ils sont adulés, ils s'arrêtent, commencent à jeter de l'argent. Et notre Dieu, quand on l'adore tout simplement, ne savez-vous pas qu'il peut se mettre là et dire, cette personne, je dois bénir cette personne de mille façons. Parce que cette personne arrête de m'adorer, de m'élever, de me glorifier par sa vie. A fermé les pieux de la connaissance de la parole de Dieu. A fermé tes pieux bien-aimés de la prière. A fermé tes pieux de l'adoration. A fermé tes pieux de la louange. A fermé tes pieux dans la bonne doctrine. Nous sommes dans les derniers temps. Il y aura beaucoup de fausses doctrines. On utilise de l'huile à tort et à travers. Beaucoup de fausses doctrines. Où on commence à parler tout simplement de la prospérité, comme si nous sommes sauvés pour notre confort d'abord. La prospérité, certes, elle est biblique, mais la prospérité, c'est la conséquence de la marche avec Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez le royaume de Dieu en premier, et toute chose te sera donnée par sur quoi. Il y a des choses qu'on ne devrait même plus demander à Dieu. Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous les donne. Les habillements, les nourritures, les choses matérielles. Oh, ne peuvent être que des choses assez exceptionnelles. Je peux comprendre si tu dis, Seigneur, j'étais assez locataire. Donne-moi d'avoir également une maison. Donne-moi un travail qui puisse me permettre d'avoir un crédit bancaire. On comprendra encore. Mais si tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi vraiment des belles chaussures. J'ai une fête ce week-end, Seigneur. Donne-moi des beaux costumes, tu vois. Que bon, je veux pas aller avec des anciens costumes dans telle manifestation. C'est qu'on est encore très loin, immature, bébé spirituel. Affermis tes pieux bien-aimés de la bonne doctrine. Amen. Il y a des fois des chrétiens qui font 5 ans dans une église sans se faire baptiser. 10 ans dans une église, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il minimise le baptême dans le Saint-Esprit. Il minimise le parler en langue. 15 ans dans l'église, la doctrine de la sanctification bafouée dans sa vie. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu, ni au ciel, ni sur terre. Personne n'entrera au ciel par pitié, bien-aimé. Pas du tout. La sanctification. La doctrine de la guérison impose les mains aux malades. Là où tu es, n'attends pas seulement que le patient le fasse. Ceux qui croient en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et toi, jusqu'à quand on va chasser pour toi tous les démons? Jusqu'à quand est-ce que les intercesseurs, le pasteur doit se déplacer pour venir prier pour un cas de maladie dans la maison? Exerçons cela. Nous avons une puissance que nous minimisons. Impose ta main. Dis, Seigneur, je le fais par obéissance à ta parole. Je n'ai rien à démontrer à qui que ce soit. Pourquoi tu te minimises? La Bible dit, ceux qui croient en mon nom, ce n'est pas en ton nom que tu le fais. Ce n'est pas au nom de ton pasteur que tu le fais. Ce n'est pas au nom de la parole du salut ni de la bonne que tu le fais. Tu le fais au nom de Jésus. Moi, quand j'ai un cas de maladie, je dis, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui agis. J'impose mes mains, c'est toi qui guéris. Moi, je mets ma foi en marche et toi, manifeste-toi. J'impose les mains et je prie qu'il se passe directement quelque chose. Que Dieu soit béni. Que ça ne se passe pas directement. Que Dieu soit béni. Et combien de fois on apprend, tu as prié pour moi, j'ai eu du travail la même semaine. Tu as prié pour moi. Et puis voilà, la guérison est arrivée, tu as prié pour moi. Le goitre a disparu, tu as prié pour moi. Et puis voilà, le kyste a disparu, tu as prié pour moi. Et j'aime de voir ça comme une forme après de ce qui s'est passé. Parce que c'est quelquefois dangereux de faire des choses qui se passent spontanément. Et on pense qu'on est arrivé. Et c'est pour ça que je dis toujours ceci.
Il faut chaque fois demander à Dieu la grâce de savoir gérer la grâce. Amen. La grâce de gérer les bienfaits de Dieu. La grâce de gérer les bénédictions de Dieu. La grâce de gérer les miracles que Dieu peut faire au travers de nous. La grâce de gérer, bien-aimé, tout ce qui appartient à Dieu. La grâce de gérer toutes ces extensions. Vous savez, on peut facilement être tenté par le succès. On pense qu'on est arrivé, on pense qu'on est différent des autres. Et pourtant, bien-aimé, ce n'est que la grâce, tout simplement, que Dieu nous donne la grâce de savoir gérer ces grâces multiples. Et nous disons amen. Affermis tes pieux de la bonne doctrine. Affermis tes pieux de la sanctification, on en a déjà parlé. Affermis tes pieux de la foi sans laquelle nul, bien-aimé, ne peut être agréable à Dieu. La foi. Assurance de choses qu'on espère, démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, sans la foi, nulle personne ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Dieu cherche la foi. Dans ton cœur, il veut trouver la foi. Primez, sois un homme, une femme de foi. Amen, amen. Priez, messieurs, des hommes et des femmes de foi qui entouraient le pasteur et son comité pour ce grand projet de foi. Laisse-moi vous dire ceci. Si certains parmi vous n'y croient pas, moi j'y crois. Et je sais qu'il lui-même, il y croit. Son comité y croit. Mets la tête là-dedans également, bien-aimé. Sinon, tu vas te retrouver en train de voir le travail, en train de progresser. Tu te dis, oh, comment j'ai manqué de foi. C'est la logique qui, quelquefois, bien-aimé, nous fait reculer en arrière. C'est le raisonnement humain qui nous fait reculer en arrière. C'est quelquefois les échecs du passé qui pensent qu'on ne peut jamais y arriver. C'est pour cela, bien-aimé, que quand Dieu inspire, surtout dans la prière, ils font foncer disant, Seigneur, ce qui est devant moi est meilleur, comme j'aime souvent le dire. Alors je crois que tu vas le faire et avec toi nous ferons des grands exploits. Et avec toi nous irons de l'avant et on le réalise avec Dieu. Amen. Le temple ici sera transformé, je le crois de tout mon cœur. Amen. Et je veux même prophétiser en disant que dans 3 ans, ça sera totalement terminé. Et nous disons amen. Mais cette affaire te concerne, cette affaire concerne chacun d'entre nous. Amen, amen. Et Dieu aime ça. Comme j'aime le dire, Dieu se parfume de notre foi. Dieu se chausse de notre foi. Dieu se vêtit de notre foi. Quand Dieu voit la foi en nous, bien-aimés, il se réjouit et se dit, je ne peux qu'intervenir et agir parce qu'ils m'ont cloué. Ils m'ont mis sur le mur. Je suis absolument obligé d'agir parce qu'ils font ce qui est agréable à moi. Ils ont la foi. Amen. Dis à ton voisin, aie la foi en toutes choses. Et la foi en toutes choses, mon frère, ma sœur. Église, et la foi en toutes choses. Et j'ai la foi pour cette transformation. Qu'est-ce que 2 millions d'euros, bien-aimés, devant notre Dieu à qui appartient l'or et l'argent et tous les trésors du monde? Qu'est-ce que 2 millions? Qu'est-ce que 3 millions? J'aime souvent dire à l'église, petit problème. Dis à ton voisin, petit problème. Nous acclamons le Seigneur. Affermis tes pieux de la libéralité. Amen, amen. Serrez vos ceintures de sécurité parce que là, les gens, assez souvent, n'aiment pas entendre parler de libéralité. Libéralité veut dire apprendre à donner. Donner d'abord à Dieu et apprendre à donner, bien-aimé, également, chaque fois que Dieu nous met à cœur pour ceux qui sont autour de nous, donner à Dieu. Malachie 3, 10, apportez à la maison du trésor toute la dîme et vous verrez, apportez la dîme. Il y a des gens qui continuent à tergiverser. Quelles que soient les fausses doctrines qui circulent particulièrement en France concernant la dîme, laissez ces gens tergiverser comme ils veulent. La dîme, elle est biblique, bien-aimé. Et nous voyons cela dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance également, nous disons amen. Nous apporterons, parce que là il y a un grand secret de bénédiction. Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toute la dîme. Il dit d'abord, vous m'avez assez volé en quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Apportez à la maison du trésor toute la dîme et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et vous verrez. Si je ne menace pas pour vous celui qui dévore. De bonnes promesses. Dieu dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Dieu dit, je vais menacer celui qui dévore. Cela veut dire que dans le cas contraire, on n'apporte pas la dîme, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va fermer les écluses des cieux.
On va chercher où sont les démons, alors qu'il n'y a pas un problème de démons ni d'envoûtement. C'est un problème où on ne donne pas la dîme au Seigneur, un point, un trait. Dieu, lorsqu'on n'apporte pas, les robinets sont fermés et il libère celui qui dévore. Qui dévore? C'est l'ennemi. Jean 10:10. L'ennemi est venu pour égorger, dévorer et détruire. C'est Satan qui dévore les affaires, qui dévore, bien aimé, l'élévation, qui dévore la santé, qui dévore le budget, qui dévore tout un tas de projets. Quand on ne s'est pas donné à Dieu, on ne saura même pas arriver à bien gérer ce qu'on a reçu de la part de Dieu. On a souvent vu des gens qui disent, parce que je ne comprends pas, dès que j'ai l'argent, ça disparaît. Je ne comprends pas comment j'ai utilisé cela. La première question, donnes-tu d'abord la dîme à Dieu? Quand tu donnes à Dieu, il va activer ton intelligence spirituelle pour être un bon gestionnaire. Amen, amen. Amen, amen. Il va te donner, bien aimé, l'intelligence de gestion pour être un bon gestionnaire, pour savoir donner 10% à Dieu, pour savoir donner peut-être 5% à ceux qui sont nécessiteux, pour savoir économiser 10% dans tout ce qu'on a gagné, pour savoir utiliser à bon escient le reste, bien aimé, et se préparer pour saisir les opportunités qui peuvent venir dans la vie. Amen, amen. On a vu des gens qui ont touché l'argent, bien aimé, sérieusement, mais qui malheureusement ont eu à pouvoir régresser sérieusement dans la vie parce qu'ils ne savaient pas que donner à Dieu est capital si on veut aller loin avec Dieu. J'avais à cœur que nous puissions lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 11. Ça, c'est important que nous puissions lire et faire très peu de commentaires. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, sachez-le, de Corinthiens 9, versets 6 à 11, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en outre, oh là là, mon Dieu, mes yeux, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour que vous ayez encore. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Toute espèce de libéralité selon qu'on aura semé. Chacun selon sa prospérité. Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu connaît le revenu de chacun d'entre nous. Dieu connaît les gains de chacun d'entre nous. Apprenons, bien-aimés, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu promet de nous bénir afin qu'on entre dans ce cycle du donner et du recevoir. Je donne à Dieu. Dieu me donne encore, je donne encore, il me donne encore, je donne encore. Oh, quel merveilleux exercice on a vécu pendant ces 7 ans de construction. On pouvait donner à Dieu, Dieu nous bénit encore, on donne encore, Dieu nous bénit. Et on passe à une autre dimension la 2e année, on donne encore plus, et Dieu nous bénit encore plus. On passe à une autre dimension la 3e année, 4e année, une autre dimension, 5e année, une autre dimension, on donne encore plus et Dieu nous bénit encore plus. Car nos bénédictions seront proportionnelles, bien-aimées, à la façon dont nous donnons à Dieu. On récoltera la qualité de ce que l'on a semé. On récoltera proportionnellement la quantité que l'on a eu à pouvoir semer. Amen, amen. On récoltera la nature de ce que l'on a semé. Tu ne vas pas semer des arachides et récolter, bien-aimées, des maïs. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. J'ai fait l'agriculture, je suis un homme à tout faire. J'en sais quelque chose. Tu sais un peu, tu récoltes un peu. Tu récoltes la qualité de ce que tu as semé. Tu récoltes la nature de ce que tu as semé. J'ai vu des gens, des fois, donner bien aimé, même des voitures, pour dire ça, que l'église vende, ça sera pour la construction. J'ai vu Dieu les bénir et leur donner encore d'autres bénédictions.
Amen, amen. Le temps manqué pour donner des témoignages par rapport à tout ça. Affermis les pieux de la libéralité. Dis à ton voisin, affermis les pieux de ta libéralité. Troisième chose à retenir, c'est là que nous allons rapidement accélérer. Tout élargissement est onéreux. Tout élargissement est onéreux. On ne peut pas, bien aimé, élargir sa tente sans pouvoir dépenser encore plus. Et même des fois, le simple fait de casser, ça nous coûte de l'argent pour casser le bâtiment qui était là où nous avons construit. On a dépensé, bien aimé, pour casser. Pour pouvoir construire, on a dépensé également. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut perdre, on peut être en train de pleurer en perdant. Mais après, on est en train de récolter avec chant d'allégresse, comme dit la parole de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Amen, amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. C'est quelque part, je pense, dans le psaume. C'est dans la parole de Dieu quelque part. Amen, amen. Sème avec larmes, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Père, tu vas gagner. Amen. Connaissons le jeu de dames, qui perd gagne. Amen. Quand tu as perdu, tu as gagné. Et avec l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. On perd, apparemment, mais on va gagner. Qu'est-ce qu'on va gagner? Les âmes. Amen. Qu'est-ce qu'on va gagner? Un beau bâtiment. Qu'est-ce qu'on va gagner? La multiplication des membres dans l'église. Qu'est-ce qu'on va gagner? La mission qu'on va commencer à faire. Vous savez que, c'est là que je vais terminer, à Kinshasa, après avoir eu à travailler pratiquement 18 ans, la 19e année, nous dédicaçons, nous avions pratiquement environ 1200 membres, tout simplement, pendant 18 ans. Nous dédicaçons et nous constatons que le Seigneur commence à nous donner une moyenne d'environ 45 à 50 membres chaque mois. Allez y comprendre quelque chose. On essaie de faire un peu le bilan et nous réalisons que nous sommes passés en moins de 2 ans de 1200 membres à 2000 membres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Y a-t-il gain mieux que ça, bien-aimé? Mais au-delà de ça, Dieu qui bénit le peuple de Dieu, Dieu qui élève les enfants de Dieu, Dieu qui bénit les activités des enfants de Dieu, Dieu qui distingue les enfants de Dieu, Dieu qui fait des grandes choses et des églises que nous ouvrons entre-temps. Parce que tout au long de la construction, nous continuons également la mission. Parce que, bien aimé, même la construction ne veut pas arrêter la mission. Du reste, c'est pendant la construction, on a ouvert 5 nouvelles églises. Amen. Pour mieux garder le cap, servir toujours le Seigneur et savoir investir dans l'œuvre de Dieu. Tout élargissement est onéreux. Ça va toujours nous coûter quelque chose. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Amen, amen. C'est un risque, mais il n'y a pas de succès sans risque. C'est un sacrifice à faire. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Mon frère, ma sœur, parole du salut, il y a une montée divine pour toi de la part de Dieu. Et une grande vision. Vois grand. Pense grand. Parle grand. Réalise grand pour la gloire de Dieu. Et ceci est valable dans ta vie, individuellement, dans ta famille et pour l'Église également. Élargis l'espace de ta tente. L'élargissement implique l'affermissement à tous égards. L'élargissement est onéreux, mais qu'importe, le Dieu de la vision est celui qui donne la provision. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Nous courbons nos têtes, bien-aimés, rapidement, je vais faire un appel. Oh, on ne peut élargir que ce qui est existant, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, crois-moi, tu vas élargir quoi? Parce que tu n'es pas à Jésus, tu n'as pas la vie spirituelle, tu ne vis pas encore, tu es comme un cadavre ambulant, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce soir? Commencez avec Jésus aujourd'hui une merveilleuse aventure, il t'amènera très loin. As-tu donné ta vie à Jésus? Es-tu encore dans la vie de péché, mon frère, ma sœur?
Peux-tu te repentir et dire, je veux aujourd'hui naître de nouveau, commencer une nouvelle vie, et qu'à partir de là, tu puisses commencer à grandir spirituellement. C'est long que le Seigneur te conduira. Et désormais, faire toutes choses avec Dieu, entrer dans la moisson de Dieu également, devenir ouvrier avec Dieu dans sa moisson. Veux-tu donner ta vie au Seigneur? N'es-tu pas fatigué de la vie de péché? N'es-tu pas fatigué d'être là tout simplement le dimanche? Où passeras-tu ton éternité? La Bible dit que si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas du tout ton cœur. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Et ma question, c'est ceci, tel que tu es là. Es-tu satisfait de cette vie que tu mènes? Es-tu satisfait de cette religiosité? Tu as tellement tâtonné, le Seigneur a permis que tu sois là ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. Je t'en supplie. Je l'ai fait il y a 39 ans. Je ne l'ai jamais regretté. Il est toujours avec moi tous les jours de ma vie. Un incapable qui l'a rendu capable. Un muet qui l'a pris à parler. Un peureux qui l'a pris à affermir. Je ne viens de nulle part, je vis comment Dieu m'a fait beaucoup de bien et n'arrête de le faire. Veux-tu lever ta main, toi qui veux donner ta vie à Jésus? Juste une seule personne qui dit, je donne ma vie à Jésus aujourd'hui. Merci mon frère, veux-tu te mettre debout? Que d'autres personnes se mettent également debout. Mettez-vous debout spontanément. Merci mes deux bien-aimés. Que le Seigneur puisse vous voir, que mon Dieu puisse vous distinguer, qu'il vous amène là où il a décidé de vous amener. Y a-t-il encore une autre personne? Parce que nous allons prier rapidement pour eux. Alléluia. Je dis toujours ceci. Si tu veux faire cette prière en étant assis, je t'interdis de le faire en étant assis. Tu as honte de lui, il aura honte de toi également un jour. Ou tu es vrai avec Dieu, tu te mets debout. Ou alors tu fermes ta bouche tout simplement, je m'excuse. Et tu ne répètes pas cette prière en étant assis. C'est pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Merci pour ceux qui sont debout. Répétez ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi cet instant. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, je te demande pardon. Je suis fatigué de la vie que je mène. Je refuse de continuer avec cette vie. Mon Jésus, je t'invite ce matin. Viens, lave-moi par ton sang. Pardonne-moi pour mes péchés. Entre dans mon cœur aujourd'hui. Sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Conduis ma vie comme bon te semble. J'en ai assez de faire tout ce que je fais. Je m'abandonne à toi. Je prie pour vous également. Seigneur notre Dieu, je te recommande ces bien-aimés. Tu les connais, leur passé, leur vie présente et leur avenir qui est totalement entre tes mains. Je te demande, Seigneur mon Dieu, Père, accepte-les dans ton royaume. Tu as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Merci de les accepter, de les laver par ton sang précieux, de faire d'eux des enfants de Dieu à partir d'aujourd'hui, qu'ils persévèrent avec toi, qu'ils aillent de l'avant avec toi, que rien ne puisse, Seigneur, les arrêter. Les moqueries des gens ne vont pas les arrêter. Oh Dieu, qu'on dise n'importe quoi sur eux, parce qu'ils t'ont rencontré, Seigneur, leur vie ne sera plus jamais la même. Merci de les conduire dans tes plans, dans tes voies, dans tes œuvres préparées d'avance. Merci pour ta fidélité, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu. À la fin, vont suivre le protocole, bien-aimé. À la fin de la réunion, je veux qu'on se mette tous ensemble debout et que nous puissions prendre un engagement, chacun d'entre nous, pour que nous puissions élargir l'espace de notre tente personnelle, l'espace de notre tente familiale, l'espace également de cette église, apporter notre contribution. Lèvons nos voix, bien-aimés, et engageons-nous. Répétons tous ensemble. Disons, Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je refuse de stagner. Je veux aller plus loin avec toi, spirituellement d'abord et à tous égards également. Je veux amener ma famille plus loin avec toi, spirituellement d'abord et à tous égards également. Seigneur Jésus, je m'engage dans notre église à porter ma pierre d'édification pour que notre église aille de l'avant spirituellement,
matériellement, en élargissement et à tous égards. Je prends l'engagement, Seigneur, de m'engager avec mon esprit, mon âme, mon corps, mon intelligence, mes sentiments, mes finances et mes biens également. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton assistance. Et avec toi, Seigneur, je vais élargir l'espace de ma tente. Et avec toi, Seigneur, je vais monter d'une montée divine. Au nom de Jésus, lève ta voix pour remercier.